Niort TV a rencontré Vianney Ranson, professeur de la classe de percussion du Conservatoire Auguste Tolbecque. Il nous explique ce que sont les percussions. Derrière le mot percussion, en fait, il y a une grande famille qui, pour moi, en fait, se découpe en trois petites familles, qui sont la famille des pots, la famille des claviers et la famille des accessoires. Il suffit juste de taper sur quelque chose pour que ça devienne percussion. C'est des instruments qui sont très méconnus et pourtant tellement magnifiques. Pas trop vite. L'ambition que j'ai ici, surtout, c'est de monter la classe, d'avoir une classe de percus ici qui soit digne de Niort, en fait. Qu'on travaille cet ambitus-là de nuance. Tu veux qu'on refasse ou... Ouais, si possible. On fait le forte ici. Oui. C'est surtout la tenue des baguettes la première année qui est importante, puisqu'elle va aussi permettre de pouvoir partir sur les autres instruments avec la même tenue de baguette et d'avoir aussi bien la même technique et le même mode de jeu, même si les baguettes se différencient, puisque là on joue avec des baguettes en laine ici, mais avec les baguettes en bois sur la caisse claire. Donc on a plusieurs sortes de baguettes, mais la technique reste la même. La place des percussions est vraiment très importante au sein des orchestres, aussi bien en orchestre d'harmonie qu'en orchestre symphonique. Si on manque des percus dans les orchestres, il n'y a plus le battement de cœur qui fait que la musique va vivre.